Bon, j'ai juste ramassé les baies là-bas et puis après on va faire le petit fight. Et puis après je passe sur DQ8. Ici il n'y avait rien. Mon appareil il est. Il me serait qu'il est plus dans la team. J'ai un peu abandonné, mais bon en même temps il m'a saoulé. Donc du coup. Tac. Surf ici. Peau d'encens fleur, d'accord. C'est tout. Déçu. Pas sauvegarder depuis un moment quand même, on va sauvegarder quand même. Oups, c'est toi Silver. Et eh oui, c'est moi Kevin. Tu comptes défier le champion du coin, pas vrai? Quelqu'un devrait voler ta force au cas où tu n'aurais pas le niveau. Mais qui donc? Je sais, moi et mon badge flambant neuf. Oh là là, et Kevin qui a toujours une longueur d'avance sur moi, terrible. Oh là là, tout ça parce que je suis allé me balader en surf. Oh là là, bon, et ton vol, je le déglingue. Comme le top dresser, faut juste pas que je fasse un. Faut pas que je me plante, que je fasse pas ballon quoi. Et sinon, je le déglingue avec choc psy. Voilà. Finito. Y'a que Eric qui résiste à choc psy là ici. Je réfléchis dans cette team. Il a rien. Hein. Ah si, il y aura. Non, il a pas encore évolué Spangoléo donc. Donc non, c'est bon. Et type combat, c'est vrai aussi, c'est un ce truc. C'est insecte et combat, du coup je les déglingue. Roselia, bah non, je continue, hein. Choc psy, c'est pareil. Dur, hein. Là je galère pas, hein. Je peux continuer, chaque psy ça va être pareil, hein. Oh quoi? La survie à un HP. Non c'est abusé ça, vous avez vu les HP de Ponyta? Non mais c'est bon. J'en ai marre, à chaque fois tous les adversaires survivent à un HP, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'ai fait, sérieux? Hydroque, ouais, lui pourquoi pas, hein. La place de l'entrave. Je sais pas si je fais un bon choix, mais bon. En vrai, Osef. De toute façon, Osef. Hein. Et là, par contre, bon, là c'est sûr que je le one-shot pas. Hein. Si j'ai pas réussi à one-shot Ponyta, je ne pourrais pas one-shot Primplouf. Hein. Je vais peut-être même faire éclat magique. Ou balle ombre. Pour être sûr. Parce que si je le mets dans le torrent, ça me met un peu dans la merde. Saumure. Ah, il fait mal! Choc psy, ça dégage. À moins qu'il ait une meilleure résistance physique? Non, c'est bon, je l'ai déglingué. Psycho! Ah, nice! Psycho!
peut aussi faire baisser sa défense spéciale. Nickel. On vire flash. Nice. Et voilà, j'ai battu Kevin. C'est quoi Zahir? J'ai perdu. Et merci pour les 8000 de cash. Mais tu sais qui va défier Lim Pokémon et devenir le nouveau maître? Moi et personne d'autre. Eh ouais. Enfin bref, tu devrais être en mesure d'affronter le champion d'arène. Dépêche-toi d'aller relever ce défi. Alors, il arrive par là et il repart par là. Ok, tout va bien. Bibliothèque. Je crois que j'ai fait... Oui, il y a juste ces maisons-là que j'ai pas faites. Il y a personne dedans. Nickel. Je veux dire marin comme mon papa, il est trop fort à lever la mer même quand il y a des grosses vagues, j'aimerais être champion d'arène et Charles est trop génial. Bah il peut être les deux hein. J'aimerais qu'il se calme un peu. En plus de gagner je le raquette, c'est ça. Rip. Alors, tu prends le large, île de fer, levons l'ancre, let's go. Dose d'huile max, merci bien. Alors là ça va être assez casse-couille. Ici. Genre vraiment. Bah ouais, on peut camper partout, même ici, on peut se battre aussi. Calme-toi. J'ai envie de lui dire ça, calme-toi. Je n'ai rien fait. Dorian Luxio. Ok. Bah psycho, hop. Je pense que je le déglingue. Voilà. Éclat magique. Hop là. Alors... Attends, il n'y a que ça à gauche? Balle de fer. C'est quoi ça déjà? J'ai oublié ce que c'était. Oula, avalanche. Bon, je veux pas ça, je veux trouver un Stygix là. Il y a sûrement un objet caché par là. Non. Non. Là. Non, il n'y a pas d'objet caché? Ok. Donc, à droite maintenant. Objet caché. Non. Je suis curieux quand même. Stylix. C'est qu'un Onyx. Après peut-être qu'il tient une peau métal, je sais pas moi. C'est chiant à capturer les Onyx. Y a pas de Stygix. Super repoussement, là.
Toi. On fait un combat s'il te plaît, ça me fera un joli souvenir de ce pique-nique. Bah, si j'ai peur, non, c'est pas trop un bon souvenir. Et ton vol, bon, toujours un peu les mêmes en ce moment. Oh, vive attaque. Oh là là. Eh, ça met quand même des dégâts, hein, vive attaque. En même temps, c'est une feuille de papier, hein, la caserne. C'est aussi pour ça. Cerifleur. Psycho, je pense, elle tue. C'est que plante, hein. C'est que plante. Coup critique, d'accord. Non, là, c'est pour descendre. Demi-tour, 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 je ne veux pas descendre tout de suite. Peut-être un truc là, un objet? Non. Pas d'objet là? Pas d'objet. Ok, je vais remonter du coup par là. Tac. Corne sortie, ça c'est pratique hein, quand t'es perdu. Qu'est-ce que j'ai à faire? Zéro rencontre. Wesh! Wesh, j'ai fait aucune rencontre, c'est quoi ce délire? Je commence par la gauche. Ah, c'est là où il y a le dresseur, ok. C'est vrai. Et à droite, il y a quoi déjà? Plein d'ouvriers hyperactifs. Ça y est, j'ai enfin une rencontre. Et c'est évidemment un Nosferalto. D'accord, ok. Bonjour. Quête de devoir inspecter les ascenseurs, je vais en profiter pour voir si toi aussi tu es d'attaque. Très bien. Gravalanche. Parce que lui il a une grosse défense physique. Ça se trouve il a peut-être fermeté, ça c'est chiant. Oh il a fermeté, il casse les couilles. Me tue pas s'il te plaît. Et Tissol, je suis mort. Ah là 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 là, terrible. Ah la Kazame est KO. Putain je peux envoyer Barloche. Je veux dire dans tous les cas. Il décède hein. De boue, incroyable coup de boue. Ouais, je vais pas lui apprendre une recul. Bon, du coup. Coup dur pour Alakazam. On va remettre Léviator. Non, mais je trouve aucun Stylix, hein.
sais pas ce que c'est que ça, mais j'en trouve aucun. Bah je vais faire. Hein. Que de faire, hein. D'accord. Ici, il y a quoi? Peut-être un petit objet? Dose de fer, ok. Lui, je l'ai pas affronté là, celui qui est giga agité. Onyx, non, toujours pas de Stylix. Je vais manger quelques fraises en attendant, moi. Huile max, putain, il y a plein de trucs en vrai dans cette grotte. Hein. Sur Alto, non, toujours pas. Compliqué. J'arrive pas à fuir, mais tu te fous de ma gueule. Oh, vas-y, c'est bon, mais je vais te déglinguer, moi, tu vas voir. Hein. Tiens, un gros gilet dans ta gueule. Ça se trouve, dans 60. Ça fait 130. Vas-y, c'est bon. Empoisonné. Allez, chais. Chais, toi, t'es gelé, chais. Je peux me barrer du coup là? Ah bah non, je suis. Est-ce que j'ai le droit de me barrer ou genre. Je pense que j'ai toujours pas le droit de me barrer, hein. Chouille. Crunch. D'un coup là. T'es capable de m'empoisonner. Surtout ne pas me faire aussi de. Oh, attends, c'est quoi ce truc là? Quoi, sirène? Anneau hydro. Vas-y, la place d'ultrason. Il y avait qu'à pas me, comment dire, me chercher, hein. Très clairement. Mérited. Ah, les level up, ça n'arrête pas. Hein. Y a rien ici? Mince, je me plante à chaque fois. Rien. Bonjour toi. Ah yes, j'ai pas pu lui parler. Un raccueil, ok d'accord. C'est de pire en pire mes rencontres là. Hein. L'héros de la classe ouvrière te salue. Alors, cascade, ouais. Il a fermeté, non. Est-ce qu'il va avoir fermeté, lui? Je pense que oui. Non, il l'a pas non plus, je sais. Yo Alto, comment vas-tu?
Ça va, tranquille. Chill sur Pokémon aujourd'hui, j'ai pas envie de faire en fait un seul speedrun de la semaine. Ça ira pour l'instant. Bonjour, comment t'appelles-tu? Salut, enchanté, je m'appelle Armand. Je suis intéressé en effet, c'est un drôle d'endroit pour s'entraîner. Si tu le souhaites, on peut faire équipe et Pokémon s'en jeter par ici. Et voilà, je suis obligé. J'ai recommencé Pokémon Valtier en plus des 8. Ah ouais, donc là tu vas être occupé. Je vais être occupé. Alors, est-ce qu'il y a un objet par là? Non, 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 c'est bon. C'est bon, il y a des sbires. Ah non, j'ai rien dit, j'ai cru qu'il y avait des sbires galaxies. Attends, ça peut être un combat double là du coup? Nice. La montagne, la meilleure façon de se dire bonjour, c'est de s'affronter. Ok. Comme je vais recevoir Pokémon Battle Revolution sur Wii, je vais le trouver pas cher. Un easy cash. Ok, je connais pas du tout ce jeu là. Battle Revolution. Déglinguer très vite le Gravalanche. Football Manager. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah là, ouais, tu vas être bien occupé là. Voilà, je suis déjà pas mal occupé avec seulement 2-3 jeux. Enfin bon, après, c'est parce que je fais aussi autre chose à côté. Hein. Genre demain, j'en ai encore de sauvetage. Je sais pas comment on va faire demain. Attendez, je vais regarder un peu pour la blague là les conditions qui prévoient. Ça, Freeport, plage de Sion. Juste pour la blague, je regarde à nouveau. 2m6. 2m6 de vague demain. Et ils veulent qu'on fasse du sauvetage là-dedans. C'est des malades. J'ai reçu aucun mail comme quoi c'était annulé. Hein. Je suis intrigué. Alors, Onyx, hop là, cascade dans sa gueule. Balayette. Aïe. Dur pour le Lucario. Faire Alto, je vais faire Crogivre. Et ça dégage, incroyable. J'étais pas sûr de one shot avec Crogivre. Mais si. Vas-y, au lieu d'attraction là qui sert à rien. Et pourri. On va mettre gigotage. Détrempage. Oh ouais, non mais c'est bon quoi. Genre c'est quoi ces aptitudes pourries là? Je sais pas s'il a d'autres Pokémon Armand là, mais faut il faut qu'il fasse gaffe à son pauvre Lucario là. En vrai, là, je pense que je one shot le match chopper là, vu qu'il a fait grincement le Lucario, mais ouais, chaud pour lui quand même. Hein. Coup critique, bon. Yahoo! Du coup, est-ce qu'il m'a soigné aussi? Donc il m'a soigné Pokémon là? Nickel. Est-ce que dans mon PC ils sont soignés ou pas? Non, ils sont pas du tout soignés. Après, du coup, si je switch, ils vont être soignés. C'est pas faux. Qui est KO là? Il y a tous ceux-là qui sont KO. Si je mange une rencontre, peut-être qu'il va les soigner, non?
À moins que quand ils sont KO, ils les soignent pas et c'est juste ils les régènent. Je sais pas. Bon, hyperbole là-dessus. Stylix! Stylix! Oui! Ok, faut que je fume le. Par contre, faut vraiment pas qu'il me le fume là, Lucario là, me fume pas le Stylix, s'il te plaît. Bon, pour l'instant, impossible de viser car un seul. Affilage. Aïe. Je peux pas capturer là. Ouais. C'est chiant. On va faire Crogivre sur toi. En attendant. Trempette, c'est genre la blague. On est au tour 3, donc du coup, je peux encore faire une rapide ball. Ça fait mal, tourbi sable là. Je pense relou pour le capturer lui. Oh mon dieu. Ok. Oh paralysie. Oh ça m'est bien. Oh ça m'est bien. Merci bien. Oh merci monsieur. Juste merci. Ah par contre il m'est cher. Coup critique. Ah d'accord, ok. Putain, c'est la galère hein, pour juste un fight là. Alors. Hyperball. Nickel! Là, c'était facile. Serpent fer. Ses mâchoires robustes lui permettent de se frayer un chemin à travers la pierre et ses yeux de voir l'obscurité dans les souterrains. Non, non, non. PC. Alors, du coup, est-ce qu'il m'a soigné mes Pokémon là? Oui, magnifique, mais quel beau gosse lui. Alors là, il y a quoi? Oh, il y a plein de chemins partout, c'est abusé. Aimant. D'accord. Bonjour. Si je te bats, ce sera ma 100e victoire d'affilée. Bah, ça du coup, hein. Prépare-toi à découvrir mes redoutables techniques de karaté. Bah du coup triste pour eux hein. Il fait un gros shutdown là là-dessus. Hein. Alors. Bon, y a rien de. Bon, on va tel Charmina parce que ça fait mal comme Pokémon. Hein. Ah, il focus l'autre, il casse les couilles. Peut-être j'ai one shot? Non, j'ai one shot pas. Oh, il est confus! Le nul! Se faire déglingue. En fait, je vais têche le Cradopo là. Ok, ça va, il est intelligent. Ok, ça va. Il s'est rattrapé là-dessus. Parce que là, sinon, c'était dangereux. Ah. Combat sur psy, c'est. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, Hugo.
Là, c'est Acier qui faisait tanker le truc, c'est pour ça. Dans Draco. Enfin, la voilà. Que je vais sans doute tège au bout d'un moment, parce que je me dirais, ouais, je peux prendre séisme. Bon, j'aurais séisme, je pense que je l'ai tège. Est-ce qu'ils ont d'autres Pokémon, eux? Ah bah là, elle doit avoir le seum. Hein. Quand t'as une aussi grande série de victoires, hein. Ça doit être terrible. Par là, du coup, j'avais fait quoi? Ok, on passe par là. Par là, il n'y a rien. Attends. Logique, plaque fer. Je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est seule lettre originelle respirée avant que l'univers ne soit. Donc ça c'est pour augmenter les compétences de type fer, leur puissance. Y'a rien là? Ça m'a fait un truc, mais... Je me rapproche de quelque chose là? Ah, ok, c'est beaucoup plus bas, ok. Bah attends, je vais remonter d'abord. Vers les ouvriers. Attention, là, Jollibeur, j'entraîne ici. Ce n'est pas un terrain de jeu ici, on est là pour combattre. Bien sûr, bien sûr. Allez. À l'attaque. Je grignote des fraises en attendant. Dommage que Cascade, ça vise pas les deux comme surf. Ça, c'est dommage. Fumer Onyx. C'est dit que ça va être un peu plus violent, mais logiquement je le passe. Ouh, il tank tellement! Oh, il a croix éclair! Eh ben. Windows 30, ah ça y est, il va évoluer en Charcos là. Cap humain 30. Attends, mais il a encore trouvé un objet le cap humain là? Il en trouve à 24, c'est quoi ce délire? Mon téléphone il doit être chargé là, non? Il est chargé. Tac. Hop là. Alors. Ça a commencé à faire long là.
Allez, Kranidos évolue. Je sais pas s'il me reste beaucoup là, dans l'île de fer à faire. Charcos. Pokémon coup de boule. Son crâne est dur comme le fer. Cette brute abat des arbres pour attraper ses proies dans la jungle. Eh ben. Pff, non, en fait, je m'en fous. M'en fous d'effort. Tac. Potion max. Je voulais pas lui parler. Un peu. Oh, il y a la Team Galaxy ici. Putain. Rappel, nickel. C'est ça que j'avais repéré. PV+. Faut passer par là. Non. Oh, c'est un labyrinthe ce truc. Je sais pas si on est encore. Des Pokémon forts, des dresseurs puissants, y a-t-il meilleur endroit pour s'entraîner? Si on s'affronte ici, tes Pokémon et les miens deviendront plus forts. On a tout y à gagner, c'est indéniable. Alors battons-nous. Très bien. Mec, j'ai envie de 3. Mais pourquoi tout le monde dort avec mon stream allumé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que. Comment je dois-je l'interpréter? Mais non, mais pourquoi il m'a volé mon. Il m'a caresse! En vrai, parce que c'est trop chill ici. Bah, tant mieux. Hein. Peut-être trop, vraiment dans le sens trop, hein, et du coup, c'est chiant. Du coup, c'est chiant à dormir. Oh, il m'a caresse, le Lucario, il saoule. Moi je dors pas, je leur. Ouais, ça je sais bien. Machouille, sur toi. Là il peut pas faire forte paume parce que ça ne fonctionne pas. Il est level 37, mon. Mon. Les. Oh, vas-y, casse les couilles là. Ou le coin maternel comme tu. Oh là là. Moi si je dors dans mon stream c'est parce que c'est que j'ai fait nuit blanche avant, ouais. Ouais. Ce qui arrive souvent pour toi. Blam, Spectrum, ça dégage. Griffacier. Ce n'est pas très efficace. C'était flotte. Crogivre. Non. Bah machouille mais c'était flotte parce que ça fait mal. Un 4 nuits blanches mais. Voilà, oh Hugo. Terrible. Fais attention à ta santé quand même. Quoi, il tank ça? Non mais frère. Oh là là, ils sont relous ces dresseurs là. T'as raison de lui dire que tu dors pas, après il va croire que chaque viewer qui ne parle pas dort devant son stream. Mais non, non, mais je sais que c'est marrant, il y a plusieurs qui me disaient, oh là, j'ai dormi dans ton stream, incroyable. Bon, d'accord, je ne sais pas comment l'interpréter du coup. Ah, coup double! Ah ouais, je vois Hugo. Encore un Pokémon? Vas-y, ils en ont trop là.
Psychocoque au niveau 30, c'est bon. Boost. Qu'est-ce que c'est que boost? Balek. Bah, du coup, faut essayer de se coucher plus tôt, Hugo. Donc voilà, cap humain évolue. Ah, j'ai masse évolution. Tu veux, hein, je veux dire. Tac. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de switch le Charcos. J'ai trop de Pokémon qui évoluent d'un coup là, je suis. Tac, Capidextre, c'est bon. Charcos, ça sort aussi. La Poray, toujours pas évolué. On sait pas quand il va évoluer. Pouk. Et je suis rendu à la Team Galaxy, ok. Tout s'éclaircit, si les Pokémon sont agités, c'est à cause de vous. Je me moque des raisons de votre présence, cessez de semer le chaos dans cette mine. Et la Team Galaxy, on peut prendre tous les Pokémon qu'on veut. Pas vrai, partenaire? Grave, et c'est ce qu'on va faire. Tous les Pokémon de cette vieille île de fer sont rouillés, sont à nous. En somme, dans la joie comme dans la peine. Cinq vivent les Pokémon et les dresseurs de Sinnoh. Je ne laisse pas de piétiner ce grand principe. Allez, s'il vous plaît, donnons-leur une bonne leçon. Zblam! Voilà, il s'éclatait. Éclataxe. Oui, manque de sommeil, c'est que j'en faisais comme mon cœur. Bon, moi, je dors trop, wesh. Genre, c'est. C'est quoi ça? Là, vu que j'étais malade cette semaine, j'ai dormi 10 heures par nuit, c'est peut-être 3 à la limite. Enfin bon. Crogivre, Nosferapti, ça dégage. Hop là. Ok, un gros pig, bon, pas beaucoup de dégâts. Nosferapti encore, bah je vais faire lui infliger le même traitement. Boum. KO. Léviator 38. Peut-être changer armement. Attends, il a encore, mais il a combien de Pokémon? Non, mais s'ils ont 3x3, c'est chiant en fait. Oh, vas-y, 1 HP. Terrible. Cradopo au KO. La Poray 34, est-ce qu'il pourrait évoluer un de ces jours? Ou genre. Non. Ce serait cool. Parce qu'au niveau 34, quand même, toujours pas le Kpin. Enfin voilà quoi. Moufouette. Bon, je vais mettre une cascade dans sa gueule et voilà quoi. Blam! Boom final, aïe. Affilage. Qu'est-ce qu'il fout, sérieux, fini là. Et vas-y, du coup, je suis empoisonné. Une autre cascade dans sa gueule. Bon, là, il a bien exprimé mon Léviator. Je pense que je vais pouvoir switch bientôt là. Sur un autre Pokémon qui a besoin d'évoluer. Non, j'ai pas envie d'apprendre gigotage, ça sert à rien. J'ai 3 poissons là dans mon équipe. Voire même 4 du coup si on compte Léviator, c'est terrible. Quel duo de choc, je n'arrive pas à y croire. Eh ouais mon gars. Stop, pitié, vous deux Pokémon, vous êtes tous trop forts, on se tire partenaire. Ouais, sauf qu'il peut. On sait rien des plans de la Team Galaxy de toute façon. Je te dois une fière chandelle. Écoute, j'ai un œuf Pokémon sur moi, accepterais-tu d'en prendre soin? Bien sûr. J'aimerais que tu fasses découvrir le monde au Pokémon qui sortira de cet œuf. Occupe-toi bien de lui.
La poreille n'a toujours pas évolué? Voilà. Et là en premier, il va faire des 3-5 levels au début et il change pas. J'ai la flemme de faire ça. J'ai vraiment la flemme, hein, je t'avoue. Il a intérêt à évoluer tout seul. Au bout d'un moment, il saoule. Et on arrive à la fin? Mince. Y'a rien ici. Ok. Et bah c'est la sortie, la fin de l'île de fer. Bah du coup il va être 20 h, je pourrais vous... Attends, non c'est pas fini? Ah si c'est bon. Ouais moi du coup je vais vous laisser hein. Je suis assez fatigué. Et demain je me lève à 5 h du mat. Donc voilà quoi. Tiens éclat, utilisé. Roselia évolue, oui! En vrai, je la trouve plus stylée, Roselia. Enfin, genre, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez entre Roselia et Roserade. Je sais pas, je trouve Roselia plus stylée. Roselia, je l'ai pas fait combattre des... Enfin, Rose Bouton, pour qu'il évolue en Roselia, j'ai pas fait combattre des trucs comme ça. Il est en level up, avec des level up, il a fini par monter de niveau, hein. Il attaque ses ennemis avec ses fouets dotés d'épines empoisonnées, il a la prestance d'un danseur. Ouais, voilà donc. Roserade en vrai c'est stylé, mais je préfère Roselia, je trouve, je sais pas pourquoi. Bon voilà, du coup j'ai Roserade. Hop! Qui va retourner. En vrai, attends, eux ils sont tellement low. Level, champ en feu, faut absolument qu'il XP là. Par la suite. Et voilà. Toi, tu vas là en attendant. Et toi, voilà. Ok, bon, bah c'est bon du coup. Ici, lui, je vais le mettre ici à la limite. Voilà. Bon. Bah sur ce, je vais m'arrêter là. Yes. Ouais, je pense que j'en ai fait pas mal aujourd'hui.